find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turned back again. Et salut, on se retrouve pour une vidéo, donc un jour un collage du 2. Parce qu'en fait, je vous ai posté, j'avais fait celle du... J'en ai fait une tout à l'heure et je me suis plantée. J'ai mis le 3 juin, du coup vous l'aurez demain. Et du coup, il m'en faut une pour ce soir. Alors du coup, je me suis rappelé que Stéphanie m'avait envoyé ce genre de choses à monter en 3D. Du coup, j'ai monté le petit chat, j'ai gardé cette image là. Je vais pas la mettre, je vais la garder parce que elle est complète, donc je la garde comme ça, toute faite. Et du coup, j'ai pris un fond comme ceci de ce bloc là, Alice Illusion. Donc ça, c'est des papiers très très sombres, très très noirs, comme j'aime bien, vous le savez. J'ai pris cette étiquette là qui était là et j'ai découpé un bout. Comme ça, vous allez voir qu'on peut utiliser également le support en fait. Du coup, voilà. J'ai pris ma carte. On va coller ce morceau-là par-dessus de façon à ce que ça recouvre entièrement. Voilà. Donc, je vais pas prendre cette colle-là. Je vais prendre celle-là. Si elle ne s'est pas bouchée, en plus, elle a coulé. C'est super. Il y en a partout. J'en ai plein les doigts. Hop, on va mettre ça dessus. Je crois qu'elle s'est bouchée en plus. Alors attendez, je prends une lingette. J'en mets partout de la colle. De toute façon, moi, le jour où je mettrai pas de colle partout, je crois que les poules auront des dents. Parce que de toute façon, les poules, ça n'a pas de dents. Donc, c'est pas prêt d'arriver. Hop, me sortez pas que les poules, ça a des dents. Sinon, je suis dans la mouise. Alors, du coup, on va coller ça. Il va falloir que je remette de la colle dedans parce que je pense que je l'ai déjà bien utilisé. On va le mettre droit. Tant qu'à faire, ce serait bien. Hop, et on va venir le coller juste pour recouvrir le papier à carreaux, en fait. Hein. Vraiment pour ça. Voilà. Je vais venir coller en centrale. Enfin, pas en centrale parce que je vais laisser le bord là. Ici, cette image que j'aime beaucoup avec les ailes. Alors, le soleil pointe son nez. Il va être 19h. Normal. Mais du coup, j'ai pris de l'avance sur un jour un collage en faisant mes erreurs de date vu qu'on n'est que le 2. Je sais pas pourquoi. Je voulais déjà qu'on soit le 3 juin. Je suis pressée. Moi, c'est pas possible. Le 3 juin, c'est demain. C'est... Bon, voilà madame. Hop, on va coller ça ici en haut. Voilà, et vous voyez, ça, on va venir le mettre en bas. Et ça va faire un effet. Parce que je trouve que le rendu, franchement, c'est vraiment bien quoi. Alors ça, j'aurais peut-être pu l'arrondir plutôt que de couper tout carré comme ça. Alors attendez, hop, on va l'arrondir. Hop, ça fera plus naturel. Et on va venir le coller en bas. Ouais, ma colle, elle est... Je l'ai bien vidée, je crois. Il va falloir que j'en remette dedans. Hop. Décidément. Je tiens rien dans mes mains. Et vous voyez, ça habille le bas, en fait. C'est plutôt sympa, quand même. On va essuyer la colle. On va couper ce qui dépasse. On n'en aura aucune utilité. Mais par contre, vous voyez, au niveau du rendu, ça fait plutôt cool. J'aime beaucoup. Vous voyez, regardez. Ça habille. Hein. Il n'y a pas tortillé. Même le support, du coup, vous pouvez l'utiliser. Parce que, vous voyez, c'est super joli. Il y a des fleurs, il y a des écritures. Et du coup, ça rend trop bien. On peut même faire un entourage de créa avec ça. Et je vais venir mettre le chat ici, en plein milieu, entre les deux ailes. Comme ça, on va avoir l'impression que c'est le chat qui a des ailes. Et je trouve ça plutôt sympa. Et du coup, je l'ai monté avec de la mousse noire, de façon à ce que ça se voit pas trop, puisque le chat est noir.
Alors celle-ci, elle va être vite faite. Parce que je vais la trouilloter avant de coller mon chat. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mon chat. Hop, si. Et la date, du coup, je vais la mettre là. Et du coup, vous voyez, on a l'impression que c'est le chat qui a des ailes. Et je trouve ça plutôt, je trouve le rendu plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Et lui, et ça, je vais le mettre là. Make a wish. Mais j'y mettrais peut-être bien de la mousse 3D. Alors attendez, qu'est-ce que j'en ai fait? Je sais que je les ai rangés. Mais je vais prendre. Alors, ça s'ouvre comment ça? Il n'y a pas d'ouverture, elle doit être en dessous de l'étiquette. Alors, du coup, je vais couper comme ça. Hop. Mais je vais juste prendre une feuille comme ça. Et les autres, je vais les ranger, je vais les remettre de côté avec les blanches que j'ai en rab. Par contre, ça, je vais le couper en trois parce que moi, c'est trop long. Ou tout au moins déjà un morceau comme ça, j'en ai assez. Voilà, et ça, je vais le ranger. Vous voyez, moi, les boîtes de cassettes vidéo, les anciennes, je les utilise comme ça, je range toutes mes mousses 3D dedans. Et normalement, je suis censée les retrouver. Normalement. Alors, hop. Je profite qu'on n'est pas encore à table, parce que ça ne devrait pas tarder, pour vous faire cette vidéo, parce que je vous dis, j'ai fait la 3, mais je n'ai pas fait la 2, c'est nul. C'est nul. Hop, on va coller ce petit bout-là entre les deux, parce que j'ai pas envie de jeter. Et du coup, celle-ci, elle est super rapide, puisque les éléments, je les ai montés avant la vidéo. J'ai monté le chat avant la vidéo, mais vous pouvez retrouver la vidéo de montage des die-cuts en 3D sur ma chaîne, puisque j'ai fait la vidéo d'explication pour pouvoir les monter facilement avec de la mousse 3D. Voilà, et ça, je vais le mettre ici, du coup. Voilà. Bah franchement, je crois qu'il en faut pas plus. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on est bien. C'est pas la peine d'en mettre de plus. Hein. Je pense que je vais juste mettre la date. Donc on est le 2. Hein. Du coup, je suis planté. Moi j'ai fait le 3 tout à l'heure. N'importe quoi. La preuve en est. Hein. Hop, on va remettre du l'encre. Ouais, 2 juin. On va mettre ça ici. Voilà, 2 juin 2024. Alors vous touchez pas trop. Parce que c'est de la VersaFine. Elle est longue, elle est un peu plus longue que la norme à sécher. C'est pour ça que moi, je l'utilise pour l'embossage aussi à chaud. Puisque j'ai le temps de mettre ma poudre à embosser dessus avant qu'elle sèche. Donc là, je ne vais pas mettre le doigt dessus parce que sinon, ça va baver. Alors, du coup, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je vais mettre ce pack d'angle ici. C'est fait chaud. Je vais remettre la distress photo avec. On va essayer de ne pas faire tomber mon téléphone. Ce serait bien aussi. Je pense pas que j'ai quelque chose là-dedans pour coller dessus. Non, ce n'aurait pas sans fin. Non, 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 non. Non, je vais laisser comme ça me plaît bien. Ça me plaît bien parce que... voilà, je veux dire... ouais, non, je vais laisser ça comme ça. J'ai sorti plein de stickers tout à l'heure. Et là, du coup, je vais les ranger parce que, là, du coup... Je vais les utiliser. Je vais les mettre là. Voilà. Sauf qu'il faut que je range un peu mon bureau parce que c'est un peu du n'importe nawak dessus. Et voilà. Et du coup, voilà le 1 jour 1 collage de ce soir. Moi, je la trouve plutôt mimes. Il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Il est trop mignon, ce chat. Et du coup, j'ai encore celui-là à monter. Avec les bouquins et tout. Donc, il faut que je le monte.
Et je garderai l'entourage parce que je vous dis, ça peut servir dans une création. La preuve en est, c'est que je l'ai utilisé en bas. Voilà, voilà. Ben écoutez, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.